Bienvenue pour cette petite vidéo de présentation de la prégougeuse de Michel Cunibert. Alors une prégougeuse, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une machine qui permet de dégrossir au maximum le roseau, de sorte que vous n'ayez plus que quelques passes à réaliser avec la gougeuse pour lui donner l'épaisseur finale que vous souhaitez. La prégougeuse réalise donc très facilement et rapidement, on va dire, le plus gros du travail, et ainsi, la lame de votre gougeuse est préservée, elle est moins sollicitée et ça permet, on va dire, d'en augmenter sa longévité. La prégougeuse peut apparaître une machine onéreuse pour une étape préparatoire du roseau, mais le gain de temps et surtout le fait de préserver les lames des gougeuses qui sont quand même assez onéreuses et parfois compliquées à aiguiser soi-même font que vous allez vous y retrouver sur cet achat et pour d'autres raisons aussi que je développerai dans quelques instants. Alors, ce modèle que vous avez à l'écran est celui pour roseau de corps anglais. En fait, quand je l'ai reçu il y a quelques jours, en le sortant de sa boîte, j'ai cru que c'était une erreur, car la machine que je possédais déjà pour au bois avait exactement les mêmes dimensions. Et en fin de compte, grâce à quelques petites astuces, la course, on va dire, du chariot est la même, alors que le berceau et l'axe sont de même dimension. La machine est livrée avec deux serre-joints qui sont absolument indispensables pour la stabilité et l'usage de cette machine. Pour prégouger le roseau, cela fonctionne en deux étapes. Tout d'abord, une première étape où le roseau va être passé sous une lame plate, comme avec un prégougeur classique, traditionnel. Donc là, le roseau, il est comme aplani. Et la deuxième étape qui consiste à le faire passer sous la lame circulaire. À la sortie, c'est comme si on en avait enlevé, on va dire, la majeure partie, hein, le cœur, ce que j'ai coutume moi d'appeler la pulpe du roseau. Et ce que vous obtenez, c'est un roseau qui a la forme d'un roseau gougé, sans toutefois en avoir l'épaisseur finale. Mais on s'en approche déjà beaucoup. Et c'est tout ça l'intérêt de cette machine. Gagner du temps et faciliter le travail de la gougeuse. Alors, cette machine, contrairement à l'une de ses concurrentes, fonctionne en deux temps. On pourrait se dire, bon, bah alors c'est moins bien, c'est une perte de temps. Mais il y a une chose que j'apprécie énormément, c'est le confort. Il y a, puisque c'est en deux étapes, forcément moins de résistance pour faire passer le roseau sous la première ou sous la deuxième lame. Et surtout, ce que m'apporte cette machine, ce sont des renseignements, comme quelle est la dureté ou quelle est la résistance avec laquelle le roseau passe sous telle ou telle lame. De sorte que je puisse aisément faire des catégories, me dire, tiens, ça c'est un roseau dur. Ah, ça c'est un roseau qui est plus tendre, entre guillemets. Et ensuite, vous pourrez décider de les gouger à des épaisseurs différentes et obtenir finalement de bien meilleurs résultats. Alors bien entendu, ce n'est pas le but initial de cette machine, mais j'ai envie de dire pour moi, c'est une plus-value. Cette plus-value, on peut l'obtenir avec d'autres moyens. Un testeur de dureté, un testeur de densité et d'autres astuces. Mais ce n'est pas ici le sujet. Mais j'aime cette étape car finalement ce n'est pas du temps perdu, c'est aussi du temps sur lequel je glane des informations et me permet de différencier les roseaux. Les lames, alors la lame droite que l'on voit ici est la même que celle sur le prégougeur classique hein, à poussoir et la lame circulaire eh bien, s'enlève très facilement pour être par exemple tournée d'un tiers, hein, on voit les marques qui apparaissent, quand vous estimez que la lame commence à s'user, tout simplement. Je vais vous montrer l'état de la lame pour au bois. Oups, voilà. C'est la lame que j'utilise depuis plus de 3 ans. Je ne l'ai jamais encore esquinté,
Et pourtant, Dieu sait que je la sollicite avec parfois des roseaux qui ne sont pas toujours au bon diamètre. C'est mal, j'avoue, mais elle est en excellent état. La périphérie est vraiment nette, pas de coups, pas d'éclat. Et ce qui me vous fait dire que vous ne regretterez pas cet achat, car les lames sont vraiment ici très durables et très résistantes. Vous pouvez y aller, j'ai envie de dire, vous pouvez foncer, c'est un bon investissement si vous êtes dans une démarche de faire vos roseaux, entre guillemets, de A à Z. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. À bientôt!